Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une housse de coussin avec une fermeture portefeuille. Pour la confectionner, il faut 4 carrés de 16 cm, 8 rectangles de 8 cm sur 16, un carré de 14 cm et deux bandes de 42 cm sur 26. On commence par assembler. Un carré de 16, un rectangle et un autre carré de 16. Endroit contre endroit, sur la hauteur, on va piquer ici. Ensuite, on vient assembler l'autre rectangle endroit contre endroit. Et on assemble le dernier carré avec le rectangle. La partie haute de la housse est prête. On va maintenant assembler la bande qui sera le centre de la housse. On prend le carré de 14. Et deux rectangles de chaque côté. On va d'abord assembler les rectangles entre endroit contre endroit sur toute leur longueur. Ensuite, on vient les placer de chaque côté du carré et on va assembler endroit contre endroit, ici. On assemble ensuite l'autre côté, toujours endroit contre endroit, sur toute la hauteur. La bande centrale du coussin est prête. On va maintenant venir assembler la bande du bas. Donc on reprend deux carrés et deux rectangles et on les assemble endroit contre endroit. La dernière bande est assemblée. Maintenant, il faut venir surjeter toutes les coutures. Une fois toutes les coutures surjetées, on vient placer les bandes et on va les assembler sur toute la longueur, endroit contre endroit. Les parties sont assemblées. Maintenant, il reste à surjeter les deux coutures ici.
partie avant de la housse est prête. Maintenant, on va préparer nos bandes en faisant un ourlet de 1 cm puis 2 cm. On reprend la partie avant, côté endroit. On vient positionner la première bande, endroit du tissu, contre-endroit du tissu, puis la deuxième qu'on va venir superposer. Et on assemble les quatre côtés. Ensuite, on vient surjeter la couture. Une fois le tour surjeté, on peut mettre la housse sur l'endroit. Et maintenant, on va venir y glisser le coussin. Donc au dos, on a la fermeture portefeuille et on a l'avant du coussin. Voilà, à vos machines!